Partie de l'équipe du film avec nous ce soir, et pour commencer, je vais donner la parole à Florent Bugeaud pour Réseau Film. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci à l'UGC Léa de nous accueillir toujours royalement. J'avoue, et encore plus ce soir, on bénéficie de la plus grande salle du cinéma. Vous êtes hyper nombreux, c'est hyper chaleureux pour nous, c'est une belle récompense, sincèrement, quand on travaille plusieurs mois sur un film, voire plusieurs, plus que ça, en tout cas pour toute l'équipe, comme vous allez voir tout à l'heure. C'est un accueil formidable, et voilà, on en profite, parce que c'est... Merci à vous d'être là, plutôt que d'être en terrasse, où vous retournerez tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que Le Paradis... c'est un film d'amour, une histoire d'amour à la fois passionnelle et passionnée, un petit peu comme notre métier, portée par une jeunesse à la fois très libre et très audacieuse, parce que je pense qu'aujourd'hui encore, il faut être audacieux pour être libre, pour aimer, pour suivre ses désirs, et peut-être tout simplement pour être. Voilà, donc pour en parler mieux que moi, en tout cas je suis très fier de vous présenter Le Paradis dont on nous sommes tombés amoureux, nous, dès le scénario. Pardon, il y a un son d'écho derrière moi. Donc pour en parler mieux que moi, je vais accueillir toute l'équipe du film. D'abord, une des productrices du film, Judith Nora de Silex Film. Accompagné de son réalisateur Zeno Graton, c'est son premier film. De sa scénariste Clara Bourreau. Du compositeur Bachar Makhalif. Et toute cette jeunesse libre dont je vous parlais, qui est représentée dans l'ordre par Amine Hamidou, Samuel Di Napoli, Landou Loupansou, Jonathan Cousinier, et nos deux protagonistes, évidemment, Khalil Barbia et Julien de Saint-Jean. C'est un peu notre raison d'être aujourd'hui. Ça donne du sens à ce qu'on fabrique.
Voilà, l'amour du collectif, c'est aussi politique, et c'est ce que le film raconte. Merci. Bonne projection, le film sort le 10 mai.